Non, pas dans le bêtisier encore. Dans le bêtisier, voilà. Donc Yvan Rigaud, donc je suis resté longtemps chez Uptoo, au moins 7-8 ans. Donc j'ai occupé trois postes différents, donc au départ consultant en recrutement, donc tout métier sur les fonctions commerciales. Et au bout de 2 ans, j'ai eu l'opportunité de devenir manager sur l'équipe service. Donc en tout cas, c'était une création de poste et j'étais très content de pouvoir évoluer si vite par rapport à, et grâce à mes résultats. Et après, j'ai encore bénéficié d'une création de poste sur un poste que j'ai demandé. Et j'étais responsable de la formation sur tous les recruteurs qui nous rejoignaient et tous ceux qui étaient déjà présents. Voilà. Donc au total, 7 ans et demi, je dirais. Et donc, je suis parti ensuite pour de nouvelles aventures dans la structure où je suis maintenant. Donc, je suis chez EY, toujours dans le recrutement. Et j'ai un rôle de recruteur expérimenté sur donc, des profils expérimentés de consultants. Donc, pas des commerciaux, mais plutôt des consultants dans la finance, dans le secteur public, dans la cybersécurité, par exemple. Et je recrute des profils qui ont entre 2 ans et 20 ans et plus d'expérience sur des métiers à forte valeur ajoutée. Bon, est un peu long. Technique, donc vraiment tout ce qui est méthode, technique de recrutement, et quand je dis technique de recrutement, ça va être apprendre à challenger un candidat, à poser les questions importantes, à aller sortir leur zone de confort pour savoir au mieux, en tout cas être au plus proche de la réalité de ses compétences, et donc évaluer si c'est un bon candidat ou pas. Alors, je regroupe tout dans un séminaire parce que j'en ai fait beaucoup, que ce soit Opio, Djerba, Marrakech. Donc ouais, ça me rappelle plein de bons souvenirs. J'en ai un en particulier quand j'ai malencontreusement chuté et éteint la sono. Mais voilà, globalement, il y avait beaucoup de bons souvenirs dans ces moments-là et beaucoup de moments partagés avec des personnes qui sont toujours chez Uptoo et puis des personnes aussi qui sont parties avec qui j'ai gardé contact. Donc ça va être sur le fait de se former à fond. C'est vrai que dans le métier du recrutement, j'ai appris beaucoup de choses, que ce soit avec mes managers, que ce soit avec mes collègues, que ce soit avec mes collaborateurs ou même les collègues de l'autre côté, c'est-à-dire les commerciaux. Je pense qu'il faut vraiment profiter pour tenter plein de choses, pour mettre en application. On est vite laissé autonome et on nous fait vite confiance, donc il ne faut vraiment pas hésiter à saisir sa chance et c'est ce qui fait vraiment grandir rapidement côté professionnel. Bon, j'en ai mis qu'un pareil, mais ça rejoint pas mal de choses. Donc l'ambiance de manière générale, c'est vrai que d'une part, il y avait beaucoup d'émulation entre les différents collègues. On se poussait vers le haut, alors avec une compétition saine, mais en tout cas, on se poussait vraiment vers le haut en termes de résultats et ça permettait d'augmenter ses compétences. Et de manière plus globale, l'ambiance avec les différentes personnes, parce qu'on sait qu'on s'est fait pas mal d'amis qui sont encore là ou qui sont partis, avec qui j'ai gardé contact. Et c'est vrai que l'ambiance au quotidien, c'était un peu comme une promo qu'on pourrait retrouver à l'école, à l'université ou autre.